Ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé aujourd'hui à Pau à l'appel de la CGT qui avait lancé une grève nationale de 24 heures. Parmi les revendications du syndicat, une hausse des salaires, mais aussi davantage de justice fiscale. Plusieurs syndicats se sont joints à cette mobilisation ainsi que des gilets jaunes. Les accès à l'université Bordeaux-Montaigne bloqués ce matin par une centaine d'étudiants. Impossible pour le personnel et pour les enseignants d'accéder aux salles de cours et aux bureaux. La direction de l'université a indiqué via les réseaux sociaux que les enseignements et les activités étaient suspendus pour la journée. Les étudiants se sont réunis dans la matinée en assemblée générale avant de rejoindre le départ de la manifestation dans le centre-ville de Bordeaux. Après l'acte 12 de samedi dernier, la mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas. À Langon, ils ont réinvesti ce matin le rond-point du Sauternay au niveau du péage de l'A62 après avoir tenté de bloquer plusieurs stations-service. La circulation est redevenue normale en fin de matinée. Certains gilets jaunes avaient d'ailleurs prévu de rejoindre la manifestation générale à Bordeaux. Ils étaient une quarantaine d'enseignants à manifester ce matin devant l'inspection académique d'Angoulême à l'appel des syndicats Sud et Solidaire, à la fois pour s'associer au mouvement national mais aussi pour s'opposer aux fermetures de classes envisagées en Charente. Elles étaient discutées ce matin lors d'un comité technique spécial départemental entre les représentants syndicaux et les services de la direction académique. Des parents d'élèves mais aussi des étudiants se sont joints aux manifestants. La Fédération des artisans boulangers du Lot-et-Garonne a interpellé la préfète du département hier. Celle-ci doit en effet prendre la décision dans quelques semaines de proroger ou d'abroger l'arrêté qui interdit de vendre du pain 7 jours sur 7. Un arrêté que les artisans boulangers voudraient voir prolongé et respecté. Si pour l'heure la concertation demandée par les services de l'État concernant ce jour sans pain penche plutôt du côté de la grande distribution, le président de la Fédération des artisans boulangers pâtissiers ne compte pas en rester là. Il espère mobiliser les artisans et exercer un recours que la préfète devra examiner avant de rendre sa décision.